Anoya, un mot de travers et vous risquez la peine de mort comme contre-révolutionnaire. Citoyens, il y a erreur, je suis pas royaliste. Vos concitoyens vous ont tous dérangé comme des ennemis de la liberté. Des informations pour Robespierre. Citoyen Robespierre, vos ennemis ont infiltré nos rangs. Un patriote devenu escrochoc. Aurions notre quartier en pour un autre. Pas dans la gomme, il a fait arrêter des fonds de l'Ukraine, parfois des boutiers. C'était un si bon escroc à couvrir quelque chose qu'il n'aurait pas dû. L'ordre est pris. Peux-tu identifier ces citoyens? En nombre. Ils ont trahi la France. Je crains même qu'ils n'aient sous leur coupe des membres du gouvernement. Garde! Tu es vraiment un espion de grand talent, patron. Peut-être de trop grand talent. Arrêtez ce traître! Vous n'avez pas le droit! Non! Voilà le sort réservé à ceux qui trahissent leurs concitoyens! Patron détient de précieux secrets les Templiers. Les assassins ont besoin de lui vivant. Récupérez le carnet, puis sauvez Patron. Le carnet de Patron est un véritable annuaire de l'ordre des Templiers. Mettez la main dessus avant qu'il ne soit détruit. L'entrée principale est bien gardée. Mieux vaut chercher un accès plus approprié à la furtivité des assassins. Voilà le bureau du directeur. Il doit avoir la clé. Vous avez la clé. Maintenant, autour du carnet.
se lancer dans une chasse à fantômes. Hébert, si jeune, je trouverai le scélérat qui t'a tué. Je reviendrai demain. Non ! Quelqu'un a tué Lépine ! Il se passe quelque chose. On a carné, mais le plus dur reste à faire. Sauvez Patron. N'auriez pas dû bafouer. Les assassins ont prévu de faire diversion, mais on va grouiller de Templiers. Commencez par les éliminer. Come on!
rapide que tu le crois. Tenez-vous prêts à emmener battant. On dirait que Patton a pris la fuite. Utilisez la vision d'aigle pour le retrouver avant les Templiers. Ça y est. On doit se cacher dans les environs. Que puis-je faire pour vous? Patton a fini par rejoindre les rangs des assassins, grâce à vous.